Hey, salut tout le monde, je suis de retour. Et aujourd'hui, on va se retrouver... Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Non, ce n'est pas du placement de produit, c'est bon. Lâche un gros pouce bleu. Ah oui, écris en commentaire ce que tu penses de la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un vêtement que j'avais porté au NSF, mais que je vous avais jamais présenté avant. C'est pour ça d'ailleurs que je fais une vidéo dessus, parce que je vous l'avais jamais présenté. Ce qui paraît logique. Le petit jeu va être vraiment tout simple, ça va être de trouver la marque du t-shirt que je vais vous présenter. Donc celui-ci. Donc ça, ne le prenez pas en compte, c'est pas la vraie marque, c'est Smoking Time qui est écrit ici. Donc c'est la marque n'existe pas, j'ai essayé de chercher, ça n'existe pas. Donc j'ai pris ça sur un site bien évidemment où il y a plus souvent du fake. Les petites particularités, c'est qu'il y a un zip sur l'avant qu'on peut ouvrir facilement et tout, ce qui donne un V sur le torse. Aussi la matière est très bizarre, on a plus l'impression d'être dans une boîte de cookies qu'autre chose. Écoutez. Une autre petite particularité, c'est qu'il y a des espèces de languettes ici, voilà, qu'il y a de chaque côté des manches croisées, c'est plutôt cool. Je voulais vraiment cet effet là avec des languettes, c'est plutôt cool, vraiment ça donne un bon design aux vêtements. Et avec une coupe assez basique, comme vous pouvez le voir, mais sur le côté, voilà, il y a la marque Smoking Time qui revient ici et qui descend assez bas. De toute manière, je vous montrerai dans un petit OOTD juste après. J'espère que les détails vous ont plu. Je vous montrerai encore plus le t-shirt en détail après, pendant que je ferai le OOTD sur le côté. Donc c'est très gênant, j'ai plus l'impression d'être Dr. House dans une blouse de travail plus qu'autre chose. Vous remarquez qu'il n'y a aucune extensibilité du vêtement, c'est raide, c'est dread. On fait ça, on a l'impression qu'on va casser carrément le vêtement, c'est un truc de dingue. C'est pas du tout confortable, moi j'aime pas du tout. Alerte au fils de pute de niveau 4. Le bruit qu'il fait, c'est écœurant. Oui, bon, j'avais pas trouvé d'autre solution pour faire le bruit. En effet, on n'est pas comme ça dans la rue. Mis à part la qualité du vêtement, c'est vraiment dommage, parce que sinon, au niveau du design, c'est vraiment très cool. Avec les petites languettes qu'on peut retrouver sur le côté, qui donnent un effet vraiment plus explosif sur la tenue. Au niveau des qualités, on peut retenir le design avec la petite fermeture sur le devant, les languettes et les détails qu'il y a ici. Donc voilà, ça c'est vraiment un détail qui est vraiment dans les qualités. Pour ce qui est des défauts, c'est tout simplement la matière et comment il a été fait, la rigidité, aucune élasticité, c'est vraiment écœurant. Bon, après je ne l'ai pas vraiment payé cher. Rappelez-vous du jeu que vous avez à faire dans cette vidéo. N'oubliez pas de le mettre en commentaire, ce serait vraiment cool. Pour le OTD, j'ai bien évidemment opté pour le t-shirt Smoking Time avec le petit Sarwell, voilà, avec les grandes languettes à la Justin Bieber, avec les zips sur le côté et des petites fake Yeezy 12350 V2 Beluga. Ah oui, n'oublie pas, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. Si t'as aimé le nouveau décor, lâche un gros pouce bleu. Et puis n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire aussi, ce serait vraiment cool. Même si c'est négatif, je prends tout. Il faut tout prendre en compte pour s'améliorer. Allez, bisous, peace. Et pas sûrement. Ouh.